quand dans ma présentation, je veux que pouvoir cliquer à un endroit et que ça va m'amener à la bonne page. Donc ici, j'aimerais que ça m'amène au mois de mars. Donc quand je suis en mode présentation, la personne va pouvoir cliquer et se rendre au mois de mars. On peut voir que ce qui est souligné en ce moment, ce sont des liens. Donc j'aimerais que le mois d'août, que je puisse faire la même chose, pouvoir cliquer sur le mois d'août. Par contre, ce qui est important de faire pour que ce soit plus facile de repérer où est votre mois d'août, ce serait d'aller nommer cette page-là. Donc, d'aller nommer ici, ajouter un titre ici à la page. Comme ça va être plus facile à retrouver par la suite quand je vais trouver mon lien, à quelle page je dois faire ce lien-là. Donc, je clique ici sur les trois points et là, je clique sur le lien. Et on va me suggérer d'autres présentations dans lesquelles je travaille déjà sur Canva. Mais moi, ce que je veux, c'est aller dans ma présentation, donc page dans ce document. Et là, étant donné que je l'ai nommé à où, ça va être plus facile pour moi de le retrouver ensuite. Donc, je clique dessus et je clique sur terminer. Et maintenant, quand je vais être en mode présentation de cette façon-ci, donc je pourrais présenter et les gens pourraient cliquer ici sur le mois d'août et se rendre sur le mois d'août de cette façon-ci. Donc, voici comment intégrer un lien dans la même présentation, dans le même élément, là, c'est-à-dire le même calendrier ici, de faire un lien vers une page qui est déjà dans la même présentation. Je veux que mon lien soit à l'extérieur de cette présentation-ci. C'est aussi simple. Donc, on va sur les trois points et on sélectionne notre objet ici qu'on veut, sur lequel on veut mettre un lien. On va sur les trois points. Et quand on va vouloir mettre un lien, il s'agit de le coller ici. Donc, si je suis, par exemple, sur un autre document, donc je vais aller copier mon lien et aller le porter par la suite. Juste ici, CTRL-V, passer sur Entrée et mon lien est maintenant déposé. Aussi simple que ça. Donc, un lien qui est externe va nous mener à l'extérieur de notre présentation. Donc, il faut s'assurer que les personnes ont les droits pour pouvoir accéder à ce lien-là. Donc, si je clique dessus, on peut voir que j'accède à mon autre lien de cette façon-ci.